Que Dieu bénisse, frère. Que Dieu bénisse, soeur. Nous sommes reconnaissants au Seigneur. Je suis le pasteur Aimé Kwaku. Nous sommes simplement heureux de vous inviter à la réunion de Pâques qui aura lieu dimanche prochain. Ainsi, nous savons que Pâques, c'est la résurrection. Et Pâques, c'est la revendication de nos droits de rédemption. Frère Branham ne nous a pas donné ce message pour que nous soyons simplement des membres de l'Église. Aller à l'Église est venu, dit que nous sommes dans le message. Mais Pâques nous a donné des droits. Et ces droits-là, c'est des droits de rédemption. Et ces droits de rédemption étaient révélés sous le septième sceau. Et c'était une œuvre achevée. L'œuvre achevée du septième sceau qui a été révélée sous le sceau de Pâques. Et cela a relâché la puissance vivante, la dynamique pour l'épouse. Ainsi, nous sommes participants de sa parole par la dynamique. Ainsi, c'est cela Pâques. Pâques, c'est la vie qui est relâchée sur vous pour vous appeler à la résurrection afin que vous puissiez vivre conformément aux droits que Dieu vous a donnés en tant que fils de Dieu. Parce que Frère Branham dit que nous vivons en dessous de nos droits, mais Pâques est ici pour nous faire vivre dans nos droits. Et vous avez des droits sur le septième sceau, c'est d'être un fils de Dieu. Vous avez des droits, c'est d'être baptisé de Saint-Esprit. Vous avez des droits, c'est de recevoir cette vertu vivante dans votre âme. Vous avez des droits, c'est que vous soyez des fils adoptés, c'est que vous parvenez à la perfection. Vous comprenez, c'est vos droits de rédemption qui ont été révélés par Malachie 4. Mais grâce soit rendue à Dieu, la voix de l'archange Michael, la voix de l'archange est ici pour manifester ces droits-là. Ainsi, nous sommes entrés dans un temps de manifestation depuis la page 304, depuis le dos du livre, lorsque les anges sont apparus dans cette saison pour ramener le ministère entier de Jésus-Christ dans l'épouse, afin que cette épouse soit appelée à la résurrection. Ainsi, Pâques, cela vous appartient, vous êtes bénéficiaire de sa résurrection, bénéficiaire de sa vie. Ainsi, le diable ne peut pas vous réclamer parce que Frère me dit que le diable s'est tenu là pour réclamer la race humaine. Mais grâce soit rendue à Dieu, il y a eu un saut de Pâques qui a dévoilé que le diable n'avait rien à voir avec ta rédemption. Donc vous n'avez pas reçu un esprit de peur, un esprit de timidité, un esprit pour être simplement des gens du message à écouter les bandes et les brochures. Mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel vous êtes participant de sa nature divine, par lequel vous êtes des fils de Dieu, par lequel, gloire à Dieu, amen, vous pouvez vivre. Amen. Tout ce que le prophète a dit, ainsi toutes les manifestations que le prophète a reçues, vous êtes appelés à le vivre par la voix d'Archange. Ainsi que Dieu vous bénisse. Amen. Et nous vous invitons à ces réunions-là. Nous serons là à 9h ici à la puissance plus élevée. Ainsi, nous sommes situés à 200 mètres après la pharmacie Belleville. Ainsi que Dieu vous bénisse. Nous serons heureux vraiment de vous voir. Nous savons simplement que c'est la saison des fils de Dieu. Que Michael, la voix d'Archange, est dans le camp, ainsi pour réclamer vos droits de rédemption. Ainsi, vous n'allez pas manquer l'enlèvement, vous n'allez pas manquer la résurrection, vous n'allez pas manquer la perfection, parce que Dieu l'a dit, Dieu l'a parlé, et Dieu lui-même est sur la scène pour vous l'accorder. Ainsi que Dieu vous bénisse. Shalom.